y a ceux qui ne font pas la politique, mais qui vivent. Il ne faut pas qu'on les empêche de continuer à survivre à travers leurs petites activités, n'est-ce pas, de survie. C'est comme ça qu'il dit qu'il y a un bloc qu'on va annoncer tout à l'heure, et il a dit que Maître Michel Okombo, qui est le président du parti politique Unité des Valeurs, va présenter l'économie de ce bloc. Mais la Cour constitutionnelle n'a même pas pensé un seul instant qu'il fallait diminuer de ces pourcentages-là qu'on a proclamés. Parce que les scrutins étaient en un seul tour. Si la Cour était vraiment indépendante, si j'étais moi de la Cour, j'allais demander que l'on fasse même un semblant qu'on montre que voilà, on a réduit ces voix-là des tricheurs, que les tricheurs qui avaient des machines à voter ont donné aux candidats proclamés, et qu'au lieu de 73%, il a maintenant 58%. Et ça serait une victoire. Mais malheureusement, je n'ai pas été de cette cour-là. Mais je prie le Seigneur et je sais qu'un jour, nous aurons la véritable cour constitutionnelle qui ne sera pas tribalisée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si je passe les mots. Privilégié par notre bloc, donc le bloc est pour la paix et l'unité nationale. Et il a tout dit. Je crois que tous nous avons compris. Et tout ce que je peux vous demander, c'est de vous approprier de cette initiative. Venez adhérer, c'est fait pour vous. Parce que demain, ne dites pas que. Il y a certains Congolais qui font les choses de manière cavalière. Si nous sommes venus, c'est pour vous en parler. Si nous sommes venus, c'est pour vous inviter à venir rejoindre ce mouvement parce qu'il s'agit bien de la paix et de la cohésion nationale qui concerne tout le monde. Parce que sans la paix, sans la cohésion nationale, nous ne pouvons pas construire. Nous ne pouvons pas bâtir notre pays. Donc voilà un appel pathétique, je vous demande. Mesdames et messieurs, pour ceux qui sont concernés par les diverses catégories de ce que nous avons cité dans notre chat, et venez aujourd'hui à la fin de cette séance, bien pendant qu'on est encore là, venez souscrire votre adhésion. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Je remets la parole au modérateur. Merci beaucoup à tout le monde qui a jusque-là posé la question. Et vous savez, je ne vais pas encore discourir parce que je venais de terminer mon discours et je suis certain que nombreux d'entre vous ont bien suivi mon discours. Et si vous ne l'avez pas bien suivi, je vais vous demander de demander qu'on vous envoie une copie. Ça s'est fait aussi sous autres cieux. Et donc, je parlais de ni vainqueur ni vaincu parce que je suis un homme de paix. Lors de la campagne électorale, je suis passé dans le média et je suis sûr que certains ou nombreux d'entre vous m'ont suivi. Ils ont bien suivi mon programme qui s'intitulait « La revanche de la politique du développement pour tous sur la politique de l'enrichissement de la classe politique au détriment de tous. » Et donc, pour moi, j'estime que nous devons nous dépasser. Et j'ai demandé plusieurs fois que nous devons mettre Mama Congo avant tous nos intérêts. J'avais participé à la réunion de candidats présidents à la CENI avec les collègues candidats et on nous a montré que les élections, bien que chaotiques, nous ont coûté une bagatelle somme de 1,1 milliard
de dollars américains. Et je ne sais pas si nous comprenons c'est quoi ces montants, ce que ça représente, parce que dans mon programme, j'avais prévu l'annulation des institutions budgétivores pour que nous ayons de l'argent à mettre à la disposition de notre armée, de notre police, pour éviter que de petits pays ne continuent à nous humilier comme si nous étions de petits garçons. Nous avons un pays, d'ailleurs le seul, je crois, au monde, en Afrique, si pas au monde entier, le seul pays où l'on ne peut pas quitter de l'est à l'ouest, du nord au sud, en passant par le centre, par voie routière, ni par voie ferrée. Je ne sais pas si nous comprenons comme Congolais ce que cela nous donne. La dernière fois que j'avais été ici à Kinshasa, avant de m'en aller dans d'autres cieux, c'était en 2004. Et l'aéroport d'Ndjili était comme je l'ai retrouvé quand je suis revenu au pays en 2023 pour ces élections. J'ai beaucoup pleuré parce que mes collègues, mes camarades du mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements (MDLC) qui venaient m'attendre à l'aéroport avaient réservé pour moi quelque chose qu'ils ont appelé salon d'honneur. Et arrivé là-bas, j'ai regardé, je ne trouvais aucun honneur dans ce salon. Et je me suis dit, c'est terrible. Dans d'autres cieux, plus les jours avancent, plus les choses s'améliorent positivement. Mais chez nous, plus les jours passent, plus les années passent, plus les choses se détériorent. Et nous devons nous poser des questions. Pourquoi devons-nous accepter le statu quo? Alors, ni vainqueur ni vaincu, parce que nous tous, nous avons su comment les élections se sont passées. Nous avons vu les choses, comment elles se sont passées. Je peux vous dire que, sans me tromper, j'étais le candidat le plus élu de tous les 26. C'est un autre débat que je peux tenir avec les journalistes, si vous voulez, les amis de la presse. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes des gens, des médias, des professionnels des médias. Pourquoi vous êtes dans les médias? C'est parce que vous savez que c'est une arme, c'est une autre voie, c'est un autre pouvoir, les médias. Mais nous avons choisi de battre notre campagne d'une autre manière, c'est-à-dire la manière la plus civilisée possible. Parce que tous ceux qui sont passés remplir des stades, remplir des terrains, ils ont payé la conscience, ils ont acheté la conscience du peuple pour qu'ils aient ce monde que vous avez vu. Mais nous avons choisi la voie des médias, la voix de porte à porte pour exprimer au peuple, expliquer notre programme. Nous, on n'a pas attaqué qui que ce soit dans notre campagne. Nous avons montré ce qui était très important, c'est que le peuple attendait entendre. Et je peux vous surprendre que dans mon village où je suis né, j'ai trouvé quelque part, on m'a flanqué 4 voix. Dans 23 bureaux de vote, dans mon territoire natal. Et je suis issu d'une famille royale. Donc, mon père a servi le roi, le grand chef coutumier des cabales, pendant beaucoup d'années, donc depuis ma naissance jusqu'en 1997, quand il est décédé, père son âme. Je fais des actions caritatives. Il y a des jeunes que j'ai fait étudier à l'université, à l'école secondaire, ainsi de suite, et qui ont fini l'université. Donc, ma famille est seulement, nous sommes au-delà des 500 dans notre territoire. Mais dans ce point-là, on me flanque 4 voix. Allez-y comprendre. Sans parler d'autres endroits, parce que moi, je suis un acteur humanitaire.
J'ai commencé à accompagner les organisations de développement. J'ai une société qu'on appelle Aspire for African Development and Consulting Limited. Donc, c'est une entreprise de consulting qui aide les associations à trouver des financements à travers le monde. J'ai accompagné beaucoup d'associations et je suis au conseil d'administration de beaucoup d'associations. Tout en étant aux États-Unis, j'ai beaucoup fait de ce travail. Mais imaginez-vous comment on pouvait me flanquer 4 mois. Donc, ça veut dire que même... ça veut dire que même peut-être le membre de ma famille ne m'ont pas élu. Sans parler même d'autres, les femmes veuves, tout. Vous avez vu, certaines personnes ont vu des vidéos quand je suis passé par mon village. Et donc, le triomphalisme ne va pas nous aider à avancer. Si les uns se considèrent comme ceux qui ont gagné, ceux qui ont vaincu, ça sera encore une très mauvaise chose. Et si les autres se considèrent qu'ils ont été... ils ont été gagnés, ça sera encore une mauvaise chose parce qu'ils seront animés d'un esprit de révolte, de rébellion, et tout cela ne va pas aider notre pays en quoi que ce soit. Voilà, chers compatriotes, pourquoi j'ai estimé que dans ces élections chaotiques, il serait mieux qu'on considère tous qu'il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Et cette humilité va nous aider à avancer vers la construction de notre mère patrie. Sans cela, ça sera une catastrophe généralisée. Donc, la deuxième question... parler de ce que je demande aux autres candidats président de la République. Vous savez, si vous m'avez suivi, évidemment, vous êtes de la presse, juste après les élections, il y a des collègues candidats présidents qui se sont pressés à demander ou à exiger l'annulation des élections. Et je vous dis que moi, j'ai fait une communication à la nation qui a été, je ne sais pas par quelle magie, la RTNC est tombée sur cela et ça a été publié plusieurs fois dans le journal RTNC. Mais j'ai demandé au peuple de rester calme, d'attendre le résultat provisoire de la CENI parce qu'il était inopportun de commencer à demander l'annulation des élections avant même que la CENI ne puisse annoncer les résultats provisoires. Toute personne qui est épris, je crois, de paix ou d'esprit patriotique et connaissant ce que ça nous a coûté ces élections, ne pouvait pas demander cela avant que la lumière ne soit établie. Parce que j'estimais qu'à ce moment, on n'avait pas encore toute la situation de tous les territoires nationaux. Et juste après la publication des résultats provisoires par la CENI, j'ai compris que l'heure était grave, comme je l'ai dit dans mon discours. Et d'autres candidats présidents ont continué à faire des revendications. Et ce n'est pas à dire que moi, je n'ai pas de revendications. Ma revendication est pure et simple. Elle tient plus à la paix et à l'unité nationale dans notre pays. Je sais ce que ça coûte d'être divisé parce que d'ailleurs dans ces élections, j'ai été victime. Il y a deux amis qui viennent peut-être de Kinshasa, je peux vous dire ça, d'autres qui viennent de Tchangou, là où j'ai raflé de voix dans le bureau de vote et lors du dépouillement, ils étaient en train de dire qui a voté pour ce Rwandais.
On m'a appelé Rwandais, on m'a surnommé Rwandais parce qu'il y a la lettre R dans mon nom, Mudekereza. Et peut-être que dans cette salle, il y en a qui pensent à cela. Nous avons un problème très sérieux, chers compatriotes. Notre pays, c'est pourquoi le camarade président ici a parlé, lorsqu'il parlait des objectifs de notre bloc, il a parlé de l'éducation de la jeunesse, l'éducation civique. Notre pays est par terre de sorte que vous ne pouvez pas comprendre les dangers qu'il y a pour la nation tout entière si on ne résout pas le problème maintenant. Mudekereza en Machi, dans le sud Kivu, territoire de Kabare, qui n'est pas au Rwanda, signifie pacificateur, stabilisateur, quelqu'un qui arrive lorsque les gens sont en difficulté, en souffrance et les gens sont stabilisés. Et ce nom avait été donné à mon père en 1976, lorsque j'étais né, quand le roi, le chef coutumier du territoire de la chefferie de Kabare, cherchait qui envoyer dans un groupement du site Kivu appelé Bougoré, où les gens s'entretuaient à cause des champs et des vaches. Tous les chefs de groupement avaient échoué de ramener la paix. Et le chef coutumier a envoyé mon papa, d'ici moi Victor, il n'y a aucun heure dans son nom. Comment un Congolais 100% de père et de mère pouvait mettre au monde un Rwandais? Et je vous dis que le nom de Kereza n'existe pas au Rwanda. Il faut faire des recherches. Parce que, même la Bible le dit, que mon peuple périt par quoi, pasteur? Par manque de connaissances. Nous devons nous dépasser et chercher la connaissance. Nous devons étudier la géographie et l'histoire de notre pays. Parce que lorsque nous ne la connaissons pas, le petit Rwanda va continuer à demander ses territoires. D'où sont venus le fils et filles que vous traitez de Rwanda, de Rwandais. Je suis de Kabare, le territoire AR, Kabare. Le moine, le roi, lui-même se nomme Désiré Kabare. Nous avons le territoire d'Ouvira, IAR. Nous avons le territoire de Rutshuru et beaucoup d'autres territoires de l'Est. Kabambare. Omaniema. Est-ce que ça, c'est le Rwanda? Rumanga, tout ça. Et si le petit Rwandais là commence à demander ce territoire, nous serons le premier encore à pleurer. Alors que nous le lui donnons sans le savoir. Donc, partout, ici à l'ouest, là où les collègues ont fait tout, les camarades ont fait tout, un grand travail pour que leur candidat numéro 14 soit élu, nombreux ont dit non, ça c'est un Rwandais. Nous recevons des appels de partout, de beaucoup de rebelles. Beaucoup de gens, je vous assure, je n'aurais pas peur de le dire ici. Nombreux nous ont appelés pour nous dire non, non, il faut faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas laisser le pays comme ça. Moi, je dis bien sûr, la manière dont il faut faire quelque chose, c'est d'appeler à la paix et à l'unité nationale. Parce que les ennemis. Parce que les ennemis de notre pays attendent cet éclatement pour qu'ils puissent se réjouir. Rien ne peut nous aider en ces moments difficiles à part l'unité nationale. Quelqu'un a parlé, peut-être ça va aider les collègues à répondre. Les logos, vous savez que le léopard, c'est notre animal totem. Quatre léopards. Nous avons quatre espaces linguistiques dans notre pays. Et au milieu, vous voyez
Un doigt qui signifie nous sommes un. Nous sommes à quatre, mais nous sommes un. Quatre, Swahilifone, Lingalafone, Balubafone, ou quoi encore? Kikongofone. Le Bakongo, le Baluba, les Baswahili, les Bangala et les Baluba. Donc tout ça, nous sommes une seule famille, les enfants d'une même mère, d'un même père. Mais si nous oublions cela, je vis comment les gens sont en train, ils ont déjà commencé à se brûler quelque part. C'est une vidéo que j'ai reçue, peut-être vous l'avez vu aussi, dans le rôle de mamie, où on brûle deux jeunes gens parce qu'ils sont Luba. Est-ce que vous voyez où est-ce que nous arrivons? Cette histoire de tribalisation de notre peuple, nous devons combattre cela. Malheureusement, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui dirigent le pays, ne font vraiment pas grand-chose pour que cela se finisse. Mais peut-être qu'ils sont en train d'engouffrer encore le peuple davantage. Nous avons beaucoup vu et beaucoup entendu lors de la campagne électorale. Je vous dis ça. Mais qu'est-ce que je demande? Ça, c'est pour répondre vraiment à la question. Vous allez me pardonner, c'est parce que ça, les enseignants, lorsque vous devez expliquer aux étudiants pour qu'ils comprennent bien. Et donc ce que je demande aux collègues candidats président de la République, c'est déjà dit dans mon discours, c'est de se dépasser. Nous allons faire des délégations parce qu'après nous allons faire notre plan d'action et il y aura des délégations qui vont le rencontrer pour que nous puissions faire ensemble partie de ces blocs. C'est une chose que je leur demande, en plus du dépassement, de faire partie de ces blocs parce qu'il est un bloc patriotique d'abord. Et au-delà d'être patriotique, il cherche la paix et l'unité nationale. Quiconque ne veut pas ces choses-là peut bien sûr choisir un autre chemin, mais Mudekereza, qui signifie pacificateur, stabilisateur, qui est en même temps le prix leadership Nelson Mandela, ne fera pas partie d'une autre voie qui n'est pas seule du patriotisme, de la paix et de l'unité nationale. Un autre compatriote a posé une question. Il dit, je crois, en créant ces blocs patriotiques, n'est-ce pas là une manière d'accepter la main tendue du président Félix Tshisekedi? Je crois que c'était Rémi Moulingat de Radio Top Congo FM. Cher ami, accepter la main tendue, qui n'est pas d'ailleurs tendue jusque-là, je ne sais pas si vous l'avez vu tendue quelque part, et ce n'est pas une faiblesse d'accepter une main tendue pour faire la paix. Personnellement ici, chers compatriotes, comme quelqu'un candidat président de la République qui avait un programme consistant, d'ailleurs votre radio Top Congo l'avait qualifié d'un programme très ambitieux, et les Congolais avaient entendu cela, je ne peux pas m'empêcher d'encourager le président de la République d'étendre la main, pas seulement au docteur Mudekereza Justin, mais aussi à d'autres collègues candidats président de la République. Que ceux qui vont accepter cette main l'acceptent, et ceux qui vont la refusent par connaissance des causes, mais qu'au moins le monde retienne que, encore une fois dans l'histoire de la RDC, les Congolais se sont entendus et ont résolu leurs problèmes sans effusion de sang.
cela va nous renforcer beaucoup plus à l'intérieur et à l'extérieur. Mais si nous restons, tenez-vous chers compatriotes, si nous restons dans ce climat où certains pensent qu'ils sont vainqueurs et d'autres se retrouvent comme de vaincus, vous allez voir ce qui va arriver dans ce pays. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je sais à quoi ça sent maintenant. Prions aussi pour notre pays. Pendant que certains pensent qu'ils ont gagné et d'autres pensent qu'on a volé leur victoire, prions aussi en même temps pour notre pays. Et donc, j'avais un programme très ambitieux. Je peux vous dire cela sans me tromper. Il suffisait que le docteur Moudekez apprête serment. Le mois suivant, vous verrez des grands enjeux pour construire des routes, des voies ferrées, des aéroports et autres. Et si le président de la République veut utiliser cette voie, ça ne me gênerait pas de lui donner cette voie-là pour sauver notre pays. Ce sont des gens, parce que moi, quand je préparais ma candidature, je regardais parmi les partenaires de développement, je regardais ceux qui ont participé à mettre notre pays à genoux, et je leur disais tout de suite là, je n'ai pas besoin de votre soutien. Et ceux-là qui ont, parce qu'il y en a, il y a des partenaires, hein, chers amis, qui savent que le Congolais a déjà beaucoup souffert, et il est temps que le Congolais se repose. Mais comment il va se reposer? C'est en créant des emplois aux Congolais, en développant notre pays, et c'est comme ça que nous allons bien entendu profiter de ces nombreuses richesses dont Dieu a daigné bénir notre pays. Alors donc, comprenez que nous sommes disposés à servir. J'ai été candidat président de la République pour servir notre peuple et notre pays. Et je ne vais pas m'arrêter là parce que je n'ai pas été proclamé par la Cour constitutionnelle. Et pour servir son pays, ce n'est pas seulement au sommet de l'État qu'on peut le faire. Ce n'est pas seulement la présidence de la République. Même en indiquant cette voie-là de financement de 50, de 100 milliards de dollars, en indiquant ça à ceux qui ont le pouvoir, j'aurais contribué largement au bien-être de mon peuple. J'avais toujours dit, ma famille est au-delà de 500 personnes, mais tout le monde ne sont pas aux États-Unis comme moi. Tous ces mondes-là ne sont pas aux États-Unis. D'autres sont en Belgique et autres, au Canada, tout ça. Mais j'aurais souhaité que j'amène toute la famille là-bas. Mais c'est impossible. Alors pourquoi ne pas penser à aider cette famille et d'autres personnes, d'autres Congolais, parce que j'ai dit déjà que nous sommes tous d'une même famille. Ça, c'est possible, chers amis. Alors voilà, brièvement, cher Rémi, la réponse à votre question. Quelqu'un d'autre a parlé de l'arbre à palabres dont je parlais dans mon discours. Nous sommes en train de travailler juste après ici, je crois. On va continuer le travail du plan d'action de notre bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale. Et ça va faire partie de ce qui va nous aider à connaître la suite du processus après ici. Parce que si vous avez bien compris les objectifs de ces blocs, en tout cas, il veut faire beaucoup pour que ce pays soit stable. Et je vais quitter le pays d'ici peu. Les collègues, vous autres qui allez signer la charte, vous allez continuer, bien sûr, sur base du plan d'action.
Et moi, je vais continuer à circuler le monde entier, parler de ces blocs. Alors, le plan d'action que nous allons exécuter, bien sûr, ne sera pas l'œuvre de la seule personne qui vous parle, mais sera l'œuvre de tous ceux qui auront signé la charte de ces blocs. Alors, voilà un peu brièvement ce qui est de la réponse à votre question. Alors, quelqu'un d'autre a posé la question, que faire maintenant comme la Cour constitutionnelle a déjà proclamé, a déjà confirmé la victoire de Félix Tshisekedi? Et quelle est votre position? Et quelle est ma position? Je crois qu'en parlant, c'est comme ça que j'ai toujours parlé, en parlant, je donne en même temps des réponses. Dans mon discours, peut-être qu'il y a eu des réponses pour ma position et je venais juste d'en parler. Et la loi dit que, la loi fondamentale dit que les arrêts de la Cour sont comment? Ils sont inattaquables. Comment vous voulez que ce soit le docteur Moudekereza qui les attaque? Alors, et donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, je profite de cette occasion encore d'appeler mes collègues candidats présidents à se dépasser. Nous avons beaucoup souffert dans cette campagne, mais nous ne voulons pas que le peuple en paye le prix. Nous avons perdu la victoire, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Il y a encore d'autres opportunités. Et si réellement, chers camarades, chers collègues, présidents, candidats présidents, si réellement vous avez postulé pour sauver le Congo, je vous invite maintenant, là, si vous m'entendez, de vous dépasser et qu'ensemble nous regardons dans une même direction. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Et si je peux dire un peu, sans attaquer l'arrêt de la Cour, après que la CENI ait démontré qu'il y a eu des tricheries, des corruptions, un chaos bien confirmé, vous vous en doutez, chers compatriotes, dans quelques territoires on a supprimé, on a annulé le scrutin, et on a présenté une liste de 82 fraudeurs, tricheurs, voleurs et tout, bien qu'ils soient encore présumés innocents. Au nom des membres fondateurs du bloc, nous tenons à remercier chacun de vous. Vous avez pu sacrifier votre temps. Serait-il à vous et du bloc, nous vous en sommes très reconnaissants. Et je crois que c'est par ces mots que nous allons clôturer. Et si la technique est prête, on va encore jouer l'hymne national pour clôturer. Et après, nous allons procéder à une photo ou à des photos de famille. Nous, on va d'abord commencer à venir un peu, vous parler un peu de la suite par rapport au portail. Monsieur le Congo a parlé à Mimara. Mbote la bisoe. Ok, merci beaucoup. La base à la cima et à l'île de la bisoe, pour la proximité. Moi, Maï et Bongi Sale, pour la bisoe. Merci. Merci beaucoup. C'est bon. Oh, papa, oh, c'est là.
beaucoup. S'il y a d'autres qui aimeraient aussi entrer sur la photo ici, ils sont les bienvenus. Oui, avec les présidents. Pour rester, s'il y a d'autres qui vont rejoindre, je vais aussi monter.